Bonjour, bonsoir, comment vous? Ça fait déjà 2 semaines depuis que je n'ai pas posté une vidéo sur la chaîne. Je voulais dire que je suis vraiment désolé pour ça. Je profite de remercier chaque qui t'a écrit ou bien relève pour me demander pour quelle raison je n'ai pas posté une vidéo sur la chaîne pendant l'intervalle. Je voulais dire que je suis vraiment content, je suis vraiment reconnaissante de ça. Ça démontre que nous avons intérêt et nous intéressés dans ce que m'a fait. M'a profité remercier chaque monde qui t'est abonné pendant l'intervalle ça. Merci à vous-même qui t'avez regardé vidéo yo. Merci à vous-même qui t'avez partagé vidéo yo. Merci à vous-même qui t'avez mis un commentaire et merci tout à vous-même qui t'avez mis un pouce bleu. Dans la vidéo aujourd'hui, je vais parler de H. pylori. C'est un monde sur la chaîne qui m'a demandé de faire une vidéo ça pour lui. Aujourd'hui, je suis vraiment content pour me faire plaisir. En pile là, nous là, quand on parle de H. pylori, ou bien peut-être une fois, tu as senti ou bien un problème l'estomac et puis tu es allé à l'hôpital et puis tu as fait analyse pour vous. Là, tu as fait analyse pour vous, mais tu as dit que tu as H. pylori positif. Mais est-ce que vous connaissez vraiment qui ça H. pylori? Si vous ne connaissez pas, suivez avec moi pour connaître qui ça lié vraiment. Et si vous connaissez qui ça lié tout, continuez à suivre avec moi. Peut-être vous connaissez plus de H. pylori. Helicobacter pylori ou bien H. pylori, nous connaissons dans le langage courant. C'est un micro-organisme qui est en forme spirale ou bien hélice. Li affecte principalement mucus gastrique moun. Li capable vivre et multiplier dans milieu acide. C'est raison qui fait li vivre dans l'estomac moun parce que nous avons un acide dans l'estomac nous qui relé acide chlorhydrique. Donc micro-organisme ça lui-même li capable vivre et multiplier dans milieu acide. Yo décrit pour pipiti 24 espèces de H. pylori. Microorganisme ça mesure 3 micro de longueur et 0,5 micro de hauteur. Li affecte 50 à 70% population mondiale. La majorité moun ki gen H. pylori pa gen symptôme. C'est ça qui cause grand pile moun qui a vive avec micro-organisme ça dans l'estomac yo, yo pa vraiment connaît si yo gagnent. Yon moun ka prend micro-organisme ça depuis dans l'âge bonnet. Par exemple, yon moun ka gagne 10 ans et puis li déjà joine micro-organisme ça a vive dans l'estomac li. Et puis dans l'âge avancé yo li vin senti si avec symptômes, les li aller l'hôpital, professionnel de santé découvri c'est Helicobacter pylori li gen dans l'estomac bi. Donc yon moun ka tout petit et puis li gen micro-organisme ça a vivre dans l'estomac li. Pays développé yo gen plus moun ki gagne Helicobacter pylori passé pays sous-développé yo. Yon moun ka pran Helicobacter pylori nan relation moun avec moun. Par exemple, yon moun ki gen Helicobacter pylori et puis li bo avec yon lot moun ki pa te genyen, moun ki pa te genyen lan gen risque pour li pran Helicobacter pylori. Moun pran Helicobacter pylori tout nan bouche à l'estomac. Ça veut dire bactéries a sorti dans l'estomac moun ki te genyen lan et puis li monte nan bouche li jusqu'à ce que li contamine yon lot moun à l'aide de salive. Moun pran Helicobacter pylori tout nan fécal oral. Ça veut dire yon moun ki gen Helicobacter pylori li poupou et puis yon mouche posé sou li, li al mouche lan al posé sou manje, yon moun ap manje et puis moun ki ap manje a li pa te gen Helicobacter pylori. Li ka pran Helicobacter pylori à l'aide
côté pou yon lot moun ki yen. Sign avec symptômes qui ka fè ou pense que ou gen H. pylori positif. Premièrement, ou ka senti ou gen acide kap monte nan l'estomac ou. Ou ka gen doule epigastrique, par exemple, ou senti zone, sa nou rele, yo rele embake nan langaj courant, li a fè ou mal. Ou ka senti pati an wo nan l'estomac ou gen yon ti jan drôle. Ou ka senti ou gen kè brile. Et puis si mikroorganism nan gen an pil tan a viv nan l'estomac ou ka vin komanse senti nausé et puis ou ka ap vomi. Sa se nan ka ke mikroorganism nan la lontan nan l'estomac ou et puis ka komanse komplike. Moun nan ka senti tou li ap pèdi pwa involontè. Paske moun nan ka vin pè manje a koz lè li manje, li santi doulè nan l'estomac, li santi li vle vomi, li santi li gen nozè. Sa koz moun nan vin pè manje, e pi moun nan vin ap pèdi pwa paske li pa manje normal. E pi nan ka ke moun nan pè manje, moun nan ap pèdi pwa, sa ka vin gen ke moun nan vin anemi. Li gen yon anemi ki komanse se ver sou li. Jan ap gade nan imaj sa, se H. pylori ki kole nan l'estomac yon moun alèt de ti fil sa ou nan ap gade la ki rele filaman e alèt de yon lot substans ke li prodwi ki rele adenosine. H. pylori le li nan l'estomac yon moun li sekrete yon enzim ki rele urease. Enzim sa pou transforme ure en ammoniak et dioxyde de carbone. Et c'est ammoniak sa ki li produit nan l'estomac moun nan ki koz moun nan santi tout malaise sa yo. Par exemple, le moun nan santi acide, li santi ke brile, li santi l'estomac li a fait mal. C'est ammoniak sa ki li produit a ki koz moun nan santi tout sin avec symptômes sa yo. Donc, le moun nan pa traité, pi devan moun nan vin gen yon maladi ki rele gastrite. Et le gastrite la pa traité, moun nan vin genyen ulcère nan l'estomac. Et en pile fois, le moun nan gen ulcère nan l'estomac la, moun nan vin ap sayen, l'estomac moun nan vin ap sayen. Et puisque nan l'estomac moun ap sayen, san yo pa sorti de yo, san yo ale nan poupou moun nan. Donc moun nan pa rann konti l'ap sayen, et sa ki koz en pile fois, moun nan vin genyen yon anemi. Et le ulcère estomac sa li menm ni pa traité, moun nan vin genyen yon komplikasyon ki pi grave. Pi devan, sa ki vin koz moun nan genyen kanser nan l'estomac. Puisque ulcère la pa traité, donc moun nan vin genyen yon lot maladi ki se kanser nan l'estomac li. Pou diagnostike H. pylori, profesyonel sante yo utilize plezyèr metode. E metode sa yo, yo ede yo cherche antijen bakteriya. Yo itilize an pil metode, men yo pi souvan itilize metode ki pi simple yo. Par exemple, yo ka fe yon analize sel, analize poupou pou moun nan. Yo ka fe analize san pou moun nan. E pi tou, yo ka fe yon examen respiratoire pou moun nan. Pou detekte si moun nan gen H. pylori positif. E an pil fwa, le moun nan gen an pil komplikasyon, le moun nan gen an pil sin avèk symptom, par exemple, si moun nan avomi, moun nan gen nozè, moun nan pa ka manje, yo oblije utilize yon lot metode ki pi avanse pou detekte si moun nan gen H. pylori pozitif. An pil fwa, yo fè yon endoskopi pou moun nan pou detekte si li gen H. pylori pozitif. Le ou fin fè analize la pou moun nan. Nan ka ou moun nan gen H. pylori positif, mesen ou bien profesyonel sante a pral preskri moun nan antibiotik pou ki kombat bakteriya nan l'estomac li. Tretman pou H. pylori ka antijan long. Moun nan supose suiv tretman tout kantite jou yo bay la. Par exemple, tretman ka dure 15 jou ou bien li ka dure plus ke sa. Moun nan supose suiv tretman nan kantite jou profesyonel sante a bay pou suiv tretman.
même si mon nan senti li soulagé sous 5 jours, sous 9 jours, sous 3 jours, li commencé prendre traitement, li supposé fin suivre traitement net. Parce que si mon nan commencé suivre traitement, li campé, li pas fin suivre traitement, ça ka vin rendre que bactéria ou bien micro-organisme là qui rele H pylori a venir plus résistant dans l'estomac mon nan. Donc, l'important pour mon nan suivre traitement toute quantité de jours professionnel santé a prescrit les médicaments. Yon moun ki gen H pylori positif non seulement li doit suivre un traitement pharmacologique, li supposé gen yon régime alimentaire qui strict. Par exemple, yon pil manje moun nan supposé éliminer nan régime alimentaire li. Tankou, moun nan pas supposé manje ki pike yo, manje ki gen an pil épice, an pil piment, moun nan supposé éloigner de bagay sa yo. Li supposé éliminer an pil sel nan manje li. Moun nan supposé diminuer nan sik ke la consommer. Végétal kriyo, moun nan supposé éliminer sa yo nan régime alimentaire li. Alcool, aliment intégral yo, vinaigre, manje ki gen an pil gres yo, tankou viande, fri, banane, fri, tout manje sa yo, moun nan supposé éloigner de tout manje sa yo. Li supposé pa bre café, boisson excitant yo, bagay si yo, tout bagay citrik yo, moun nan supposé éliminer tout bagay sa yo, parce que sa yo ka vin rann ke maladie a fait moun nan pi grave. Donc moun nan supposé éloigner ou éliminer tout bagay sa yo nan régime alimentaire li. Même jan, yon moun ki gen H. pylori positif gen an pil aliment li supposé éliminer nan régime alimentaire li. Konsa tou, li gen an pil aliment ke li supposé ajoute nan régime alimentaire li ki a aidé li combat bacteria pi rapide. Parmi aliment sa yo, nou gen se probiotik. Nou ka jwenn probiotik nan yogourt. Nou ka jwenn li tou sou form capsule ou bien comprimé ou bien nou ka jwenn li an poud. Probiotik yo aide nou renforcer système immunitaire nou, yo améliorer organisme nou, yo faciliter nou fè digestion et puis tout yo stimuler substance qui a aidé nous combattre H pylori. Probiotiques yo tout aidé nous diminuer effet secondaire traitement pour H pylori gagné sous nous. Par exemple, si n'a prend un traitement pour H pylori et nous ka gagne diarrhée, mon n'a ka gagne diarrhée, il ka gagne fait mauvaise digestion, il ka senti nausée, aliment qui gagne probiotiques yo ou bien probiotiques là nous prend sous forme capsule ou bien sous forme en poudre. Li aide nous avec effet secondaire traitement pour H pylori gagné sous nous. Nous gagne tout oméga 3 et oméga 6. Oméga 3 et oméga 6 aide nous diminuer l'inflammation estomac nous et empêcher bactéria grandir, yo empêcher bactéria multiplier dans organisme nous. Nous joignons oméga 3 et oméga 6 dans l'huile de foie de morue, l'huile d'olive, zaboka, fruits secs, etc. Nous devons consommer tout fruits et végétal qui cuit yo ou bien fruits qui bagay acide yo. Bagay sa yo, fruits sa yo, yo facile pour digérer et puis yo empêcher bactéria grandir. Par exemple, nous ka consommer fraises, nous ka consommer framboises, nous ka consommer figue, yo facile pour digérer et puis yo empêcher bactéria multiplier dans l'estomac. Nous gagne tout viande blanc et puis poisson que nous ka consommer. Viande blanc et poisson yo pa gagne en pile graisse. Yo facile pour digérer et puis protéine qui dans yo a fait moins temps, durer moins temps dans l'estomac nous. Donc, li pa un problème si nous consommer viande blanc et puis poisson. Quelques viande blanc nous gagne c'est poule, codenne, morue, bagay sa yo nous ka consommer yo, li pa un problème. Nous supposé consommer tout céréales raffinées yo parce que yo pa gagne en pile graisse.
Parmi céréales raffinées, nous avons ces pains blancs, du riz, farine maïs, etc. Nous pouvons consommer les aliments parce que ce n'est pas un problème pour l'estomac. L'autre aliment nous avons, c'est les œufs. Les œufs aident dans l'élimination de H. pylori dans l'estomac. Ce qui est bon pour nous consommer les œufs bouillis. Il est recommandé pour nous consommer seulement partie blanche là. Chaque me dit yon moun ki gen H pylori positif pas supposé consommer an rien qui frit, ken manger qui frit. Donc, li important pour moun nan consommer seulement zè bouyi et ses parties blanches là seulement. Nous gagnons protéines végétales. Yon moun ki gen H pylori positif li ka consommer protéines végétales, par exemple lentille ak tout lot yo. Protéines végétales yo riche en fibres et yo favorise transit intestinal. Donc nou ka combiner yo avec pommes de terre, du riz, etc. Et puis tout nou gen carottes, bérégène qui c'est des aliments qui rafraîchissant et hydratant. Et puis c'est des aliments que l'estomac nous tolère très bien. Donc, yon moun ki gen H pylori positif, li ka consommer aliment sa yo. Brocoli, c'est yon aliment qui très important pour yon moun ki gen H pylori positif. Li aide combat micro-organisme nan l'estomac nou. Li aide nan réparation tissu ki nan l'estomac nou. Comme nous connaissons, bactéries li même parfois li tellement fait dégâts. Li détruit tissu qui dans l'estomac nous. Donc brocoli aide dans réparation tissu qui dans l'estomac nous. Li important pour nous consommer deux fois par semaine si aussi un monde qui gagne H pylori positif. Dernier aliment nous gagne c'est sirop miel. Sirop miel très important pour un monde qui gagne H pylori positif. Li aide protéger mucose gastrique là. Li attaque H. pylori qui produit ulcère gastrique là, li réduit acide gastrique, li gen capacité pour neutraliser ongo ensemble avec bactéries qui dans quelques occasions pas répondre à traitement antibiotique. Tant qu'on a cas H. pylori qui c'est une bactérie qui très difficile pour traiter, donc si au miel là lui-même li neutraliser bactérie ça. Si au miel gen propriété anti-inflammatoire, antiseptique, li diminue douleur dans l'estomac et puis li facilite digestion. Donc, yon moun ki gen H pylori positif, jan kem di a, li vraiment important pour moun sa consommer sirop miel. Pour finir, yon moun ki gen H pylori positif, supposé gen yon façon li manje, il supposé gen yon mode de vie nan façon li a manje. Par exemple, yon moun ki gen H pylori positif supposé éviter manger en pile. Li pas supposé manger en pile manger yon seul coup. Li supposé manger modéré et puis 5 à 6 fois par jour. Li supposé manger dans un lieu tranquille et puis manger doucement. Li supposé bien mastiquer manger. Yon moun ki gen H pylori positif supposé reposer 30 minutes après li fin manje. Ça veut dire li pa supposé fin manje et puis tout pour li kouri al coucher. Moun nan supposé 30 minutes après li fin manje pour li al reposer. Et puis moun nan supposé bre en pile l'eau. Li important tout pour yon moun ki gen H pylori positif bre l'eau 30 à 60 minutes avant li manje ou bien 30 à 60 minutes après li fin manje. Ça veut dire yon moun ki gen H pylori positif pas supposé bre d'lo avant li fin manje ou bien bre d'lo et puis tout li al manje ou bien li pas supposé bre d'lo à peine li fin manje. Li supposé 30 à 60 minutes avant manje ou bien 30 à 60 minutes après manje. C'est tout ça que j'ai pour nous pour vidéo pour aujourd'hui. M'espérer vidéo ça qui basé sur H pylori capable utile ou même qui a regardé. Pas oublier partager ensemble avec yon ami ou
Et yon fami yo, ou konen ki nan nesesite pou konen tout detay sa yo tout sou H. pylori. Si video sa te interese yo, mette yon pouce bleu an le. Et puis tout, desen nan komantea, fem konen. Si yon gen nenpòt kesyon, ou kapab pose l, e map kontan repon nou. Map di ou mersi, paske ou te pran tan pou te gade video yo sa. Nan pwè nan pochen video yo wa.